C'est le problème qui n'a pas de visage, là. Moi, j'ai un peu... Okay. Bonjour, c'est pour un questionnaire. Bonjour. Depuis combien de temps êtes-vous professeur? Voilà, depuis 1998. Ah oui. Aimez-vous votre métier? Pourquoi? Écoute, si je l'aimais plus, je ne le ferais plus. Donc, c'est que ça va encore. Et pourquoi j'aime ce métier? Ben, c'est le contact avec les enfants. D'accord. Et puis, essayer de les aider à apprendre des choses. Pourquoi vous avez voulu être professeur de physique-chimie? Plutôt professeur ou de physique-chimie? Plutôt. Excusez-moi. Coucou. C'était pas fini le questionnaire. Bonjour. Tu veux rentrer? Non? Au revoir. Oui, reste là. Bah, professeur, je te dis, c'est sur la transmission. Hein. Sur la transmission. Des... Avance un peu, on ne voit pas. Sur la transmission, tu vois, c'est un métier qui, même quand tu es plus là, ce que tu as transmis, normalement ça reste encore. Donc c'est intéressant. Avez-vous d'autres projets pour votre métier? Oh non, pas trop. Avez-vous toujours aimé la physique-chimie? Moi aussi je dois me... Est-ce que j'ai toujours aimé la physique-chimie? Oui, mais en fait, vous tous, vous avez toujours aimé. Quand vous étiez bébé, vous aimiez la physique-chimie. Vous étiez des expérimentateurs en herbe. Sauf qu'avec le temps, on fait moins attention, mais on aime tous ça. On est tous... intrigués par ce qui se passe autour de nous. Donc forcément, logiquement, on aime tout ça. C'est moi alors. Bonjour. Comment ça c'est d'autres, Raphaël. Au revoir. Au revoir.